Comment ça va, la petite bourgeoisie de YouTube? On a cliqué parce qu'on a envie de voir le petit Squeezie se faire torturer? Ok! Non mais, tranquille. Mais qu'il n'y a aucune répartie. Aujourd'hui, nous sommes avec l'HTC Vive que vous connaissez extrêmement bien et on va jouer à l'un des premiers jeux auxquels on avait... Mais je crois que c'est le premier jeu auquel on a joué en réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'il fait? Très bien, d'accord. Donc ça voulait dire va te faire foutre en langage des dinosaures, je crois. Et là, le jeu est sorti sur Steam, il y a un second niveau. Le désert. Attention, intro épique à la cauchemar en cuisine. Space to select, c'est parti. Alors le but, je me souviens, c'était de rester appuyé sur deux touches du clavier. Il y avait toutes sortes de trucs qui venaient te torturer la gueule. Ce jeu peut te rendre anxieux. Bah voilà, bah j'ai pas eu le temps de lire l'avertissement, c'est parfait. Oh putain, j'ai l'impression que c'est mes bras parce que j'ai exactement la même position. Il est pas mal ce bureau. Ikea, pourquoi le proposez pas celui-là? Il faut juste rester appuyé sur les deux touches contrôle de ton clavier et ne jamais retirer tes doigts, sinon tu perds instantanément. Alors attention, alors est-ce que je suis un pro? Je crois que contrôle c'est là. Non, c'est pas ça. Oh, c'est pas envoyé, mais c'est pas sous touche contrôle. C'est parti. Un scorpion. Ouais, sur Wikipédia. Il y a un scorpion qui va arriver. Il va sortir d'où? Il va sortir d'où, mec? Je veux juste le voir arriver. Si je le vois arriver, tout va bien se passer. Moi, j'ai peur du scorpion. Il est où le scorpion, mec? Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait une danse? C'est une danse du ventre du scorpion, ça. Bouge, 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 bouge. Dégage, dégage. Allez, va-t'en. Allez, c'est bon, la blague est finie. On a compris, c'était hyper amusant. Mais le truc, il est AFK, quoi. Ah, je pense qu'il appelle ses potes. Il va y avoir plein de scorpions qui vont arriver d'un coup. Loser! Allez, on le monte du doigt, on rigole bien fort! Putain, je peux pas sur ce jeu, mais! Eh mec, je surveille parce que ça se trouve, il est dans le coup, hein, ce putain d'aigle. Ah non, c'est bon, il est mort comme une énorme merde. Alors, ensuite. Aïe! Yep! Qu'est-ce qu'il y a, America? Qu'est-ce qu'il y a? Mange-le! Mets-toi bien, cousin! C'est Wikipédia qui régale aujourd'hui. Bon, pour le moment, ça se passe très bien. Je suis hyper heureux, je m'attendais à mille fois pire. Oh, je. N'aime pas trop ça. Non, en vrai j'aime bien les serpents, bon, ça me fait toujours un petit peu peur, c'est normal, mais j'adore les serpents. Voilà, la passion bizarre de Lucas Auchard. Ah putain. Ah ouais, mais là c'est pas le bien, je sais pas s'il est venimeux ou quoi, je sais pas ce qu'il me veut. Oh. Oh ouais. Ah il vole, le mec il est au-dessus. Il est carrément au-dessus. C'est le serpent d'Harry Potter mon gars. Lui il a une chouette, nous on a un serpent bâtard. Non mais mec, arrête, arrête, j'ai envie de le frapper. Coup de coude. Ah non, c'est le micro. Il rentre dans Wikipédia. Alors par contre, t'es sur la page scorpion, tu fais attention. C'est à cause des gens comme toi que Wikipédia, des fois, c'est un peu foireux. Hein. What? Non mais les gars, ils se sont tapés des barres de ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça me gratte le cou. Ah, ça me pique, ça me gratte, ça me pique. Pourquoi je fous mes tétons? Ah, mais ça me pique, il y a l'étiquette qui me fait mal. Oh mon dieu, ils vont m'attirer. Ils vont faire spawn un truc de ouf. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors les gars, je crois que vous avez besoin de lunettes. Hein. On a pas mal d'ophtalmo cool sur Terre, vous pouvez aller les voir. Je sais, vous êtes pas sur moi. Vous êtes vraiment pas sur moi, les gars. Non, avec tout le respect que je vous dois, vraiment, y a, ça marche pas. Oh, c'est beau. Oh, c'est joli, dis donc. Oh, sympa ça. Ok, elles s'en vont. Bah voilà, ils nous ont juste fait kiffer un petit peu avec les feux d'artifice d'outre-terre. C'est bon. Ah, c'est fini, ça se ferme, ils s'en vont. A plus les gars. Mais pourquoi ramener un si gros truc pour faire un si petit truc? Franchement mec, c'est un peu démesuré les gars ce que vous êtes faire quand même. On va ramener une soucoupe volante pour faire voler trois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça qu'ils ont fait. Ok, c'est ça qu'ils ont fait. Y'a un truc de ouf qui va sortir. Oh! Ah, c'est dégueu! Oh, on dirait un Wampos dans moi, mon gars! Il nous faut un tank, hein, il est, on le baise! Allez! Il est impressionnant! Et il me mange! Victoire! Et je parle pas du prénom. Voilà, j'aurais pas dû la faire celle-là. C'est déjà la fin de cette vidéo sur Don't Let Go. C'est hyper marrant de refaire plusieurs années plus tard le deuxième niveau du tout premier jeu qu'on ait fait en réalité virtuelle finalement. Donc il y avait bel et bien un poil qui s'était coincé dans mon t-shirt pour de vrai. Regardez, je sais pas, il y a une sorte de truc là qui colle et ça a collé à mes poils. C'est incroyable ce que je raconte. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu comme d'habitude. Moi j'adore ce système de rester appuyé sur les deux touches de ton clavier. Et il y a plein de trucs affreux qui viennent te torturer. Il faut pas que tu retires tes doigts. C'est un excellent challenge. À la très bonne prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Nabis. Oh, il était furtif celui-là.